qui m'importe le plus quand je joue, c'est de me surprendre. Ben oui, parce que c'est comme ça que je suis venu au jazz. C'est la première fois que j'ai entendu quelqu'un qui m'a surpris. C'est bien. La surprise, c'est pour moi, c'est fondamental de temps en temps pour inventer une phrase qu'on n'a jamais jouée. La technique étant le résultat d'un travail, donc d'avoir pratiqué beaucoup de musique, ce travail forcément vous sert non seulement musculairement, mais il vous sert au point de vue du nombre d'idées que vous avez emmagasinées. Alors la technique ne peut pas nuire à avoir des idées. En musique improvisée de jazz, qui me paraît capital, c'est le rythme, c'est-à-dire la façon dont sont conçues rythmiquement les phrases musicales. Et ça, j'attache toujours beaucoup d'importance à ça quand j'en parle avec des jeunes musiciens. Je leur dis toujours, ne faites pas que des croches les unes à la suite des autres, faites varier vos phrases. C'est-à-dire, faites des phrases toujours différentes rythmiquement. Le nombre de notes dans une même mesure doit être le plus souvent possible différent pour faire vivre la musique. Ben, je ne fais pas exprès d'abord. Et puis je crois que si c'était public, j'aimerais bien qu'on me fasse travailler. Quand je vais au cinéma, moi j'aime bien ne pas tout comprendre la première fois. Quand il n'y a rien à découvrir, que ce soit du cinéma ou de la musique, après plusieurs auditions ou plusieurs visions, c'est que ça n'est pas très riche. Moi j'aime bien qu'on ait du mal à me suivre, mais qu'on essaye de faire l'effort nécessaire pour y arriver. Est-ce que vous arrivez quand même de vous freiner quand vous sentez que le public décroche? Mais ce n'est pas tellement pour le public, pour le fait de risquer de le voir décrocher, c'est plus je vais, plus je me rends compte que j'ai tendance à réduire ce que je joue à l'essentiel. Je crois que l'essentiel d'un discours, c'est une chose qui est difficile à déceler. Alors ce qui est important, c'est que je sois content de moi quand je sors de scène, que je me surprenne et que le public ne soit pas trop malheureux.